Tu me déposes pas devant la maison, au début de la rue, ça ira. D'accord. Ça va comme je suis habillé? Si c'est une soirée de geek, ça va. Ok, laisse tomber, j'y vais pas. Je plaisantais, t'es très beau, monsieur. Je connais personne. Changer de lycée en cours d'année, c'est pas facile, mais bon, ça commence bien. À peine arrivé, une fête, t'es invité. T'as repéré des filles? T'as repéré des filles. Ah bah ça me rassure, je serai pas le seul en retard. À toutes, à ce soir. Bonsoir chef. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Bonsoir, messieurs, dames. Très bien. Où j'ai pas tiré? Pas trop mes respects. Au revoir, monsieur. Devine. Quoi? Si je te dis ta page nocturne? La fête? Oui, il fallait que ça tombe sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nathan qui rappelle. On va pas débarquer là-bas, t'imagines la tête de Nathan et Chloé? Mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à cette fête. Tu fais quoi? Je vais sur le profil de Chloé. C'est un deal avec ma fille. En cas de problème, j'ai son mot de passe. Tu vois, ça t'intéresse? Il s'amuse comme des fous. Regarde. Attends. Reviens. Ah. C'est Nathan? C'est un garçon? Il embrasse un mec? Salut, pas. Ça va, gamin? Dis-moi, la mère de Chloé m'a montré une photo de la fête, là, sur le blog de sa fille. C'est quoi, cette photo? Quelle photo? La photo, là, où t'embrasses un garçon. Ah, ça, c'est rien. C'est juste avec un pote. On a un peu picolé et on a fait semblant de se rouler une pelle pour faire marrer les filles, c'est tout. Elles ont trouvé ça drôle? Bah ouais. Nathan, on impacte, toi et moi. Je te laisse faire ce que tu veux, t'as le droit de sortir, mais pas d'alcool. On se l'est dit, hein? Hmm? Ok. Bon, on n'en parle plus, ok? Allez, prépare-toi. C'est un cauchemar. Mais non, mais t'inquiète, je te promets, c'est impossible de te reconnaître. On peut se voir cet après-midi. Mais pourquoi? Il y a juste 5 minutes de ton foulard, faut que je te le rende. Ok, on se rappelle. Allez. Tu les connais? Ouais, comme ça. Elles sont au lycée. Elles sont jolies, dis-moi. Ça va. Va les voir si tu veux. Non, c'est bon. On y va? Je suis sûr qu'elles regardent la photo, là. Va leur dire que c'est une blague. S'en fout, viens. Elles se moquent de toi, va leur dire. Si tu veux pas leur parler, moi je vais leur dire, hein. Papa! Arrête, putain! Je te comprends pas. Ça t'empête pas de passer pour... Papa, c'était pas pour rire. Quand j'ai embrassé le garçon, c'était pas pour rire.
Julien, quoi? Je vais y aller. Et tu rentres déjà, mais ça commence à être bien là. Ouais, chier, la fête est super, mais je suis claqué. Tu veux regardez la photo qui circule sur la fête. C'est l'heure des cours. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est le mec de seconde qui vient d'arriver. Non, non, on va pas le... Le mec, il est en train de l'embrasser. Hein, c'est nouveau, regarde. Attends, mais... Ah ouais. Ah, mais... Okay. Attends, montre. Attends, et l'autre, c'est qui? C'est l'heure. Ça, c'est sûr. Ouais, regarde. Les photos après, là. En cours. En cours, tout le monde. Oui, Maxime. Bonjour. Bonjour. Allez, Joss. Allez, en cours, tout le monde. Débuter un cours en calme. Nathan ? Bon, ça y est, on peut y aller. Bon, alors aujourd'hui, on va voir comment représenter graphiquement une fonction. Je suis désolée, c'est naze d'avoir posé la photo sur mon mur. Tu sais qui l'a prise? Personne ne sait qui l'a prise. C'est qui le mec que t'as embrassé? Sur notre repère, on placera les noms. Moi, j'ai parlé sur Julien. X en abscisse. C'est lui? O2. Vous en fichez de ce que je dis ou quoi? Bon, alors la représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble des points. Mais allez, balance quoi, c'est Julien. Je me souviens pas qui c'est. Mais allez, je le dis à personne. Je m'en souviens pas, je te dis. Non mais ça suffit d'attendre là, vous croyez pas que vous êtes assez fait remarquer comme ça? Je comprends pas pourquoi Julien il avoue pas. Ah moi je comprends, hein. Sérieux, si j'étais homo, je me tue direct. Ça se verrait s'il était pédé, Lucas, ça se verrait. Non, non, moi je trouve ça se voit directement. Pourquoi? Est-ce que tu l'as déjà vécu une meuf? Bah toi non plus, hein. Coïncidence. Mais commence pas à dire ça. Ne me tiens pas, ne me tiens pas. Ah, mais pas ça, tu vois, je suis pédé. Je suis pédé, ouais. Ah, parce que moi, je suis niqué, ouais. Non, mais c'est un fou, moi, je te tiens comme ça, ouais. Me retiens comme ça. C'est un pédé. C'est pas moi le pédé, c'est Lucas, c'est tout ça, ouais. C'est un fou, bah. C'est un malade, lui, après, fait le mec ici, là. Ton pote Lucas, t'es là. Vas-y, je les ai vus carrément, ils se regardaient le jour de la soirée comme ça. Les deux là, Lucas, Nathan, ah, des petits regards, ça se voit clairement. Non, mais c'est Lucas. Ils sont embrassés, clairement, des gros bisous, c'est des fous. Bah, après, du sur un PD, c'est un malade. Là. Oh, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Ça va pas, non? Lucas, retourne à ta place, toi aussi, à ta place, dépêche-toi. À ta place, Lucas. Qu'est-ce qui écrit ça? Et Nathan, tu signes du nez, tu veux aller à l'infirmerie? Ça va, ça va passer. Je veux bien, en fait. Ok, vas-y. Je sais très bien ce qui se passe ici. Tout le monde parle de cette photo au lycée. Mais rien ne justifie ton comportement, Lucas. Mais attendez, on m'accuse, c'est normal que je me défende. Bah ouais, faut qu'il avoue l'autre, hein. T'as vrai, Julien? Putain, Aude, c'est pas parce que je veux pas sortir avec toi que je suis pédé, hein. Oh, ça c'est fait. Vous vous rendez compte des mots que vous utilisez? Accusé, avoué. On dirait que vous parlez d'un crime. Et c'est comme pédé, hein. Je te rappelle que c'est une insulte. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas une insulte, c'est un mot normal, on l'utilise juste pour se vanner. Les mots ont un sens. Ils peuvent être très violents. Mais monsieur, il a choisi d'être ce qu'il est, il va assumer jusqu'au bout. Ah, parce que toi, tu crois que c'est un choix, Sidi? Toi, par exemple, t'as choisi d'être attiré par les filles. Bah non, j'ai pas choisi ça parce que c'est elles sont attirées par moi, monsieur. Je peux vous poser une question, monsieur? Oui. C'est vrai que vous aimez les hommes? Waouh.
Alors, qu'est-ce qui te fait croire ça, toi? Je sais pas. Vous défendez les homos. Puis vous avez un style un peu... Ouais, non, rien. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a, mon style? Non, mais elle veut dire que vous manquez un peu de virilité, quoi. Ok. Alors, nous allons prendre un petit peu de hauteur et découvrir l'autre prince de l'élégance anglaise. Ladies and gentlemen. Oscar Wilde. Ouais, c'est Nathan. Je suis à l'usine. Ça risque rien, je te promets, il n'y a personne. Je t'attends. Rappelle-moi. C'est toujours les mêmes qui récupèrent ça. C'est déjà là. C'est parti d'un endroit. Attendez, on verra après. T'es au courant pour son fils? Ouais, j'aimerais pas être à sa place. C'est toi qui leur as dit? Ben non, j'ai rien dit. Enfin, c'est quoi le problème? Tu passes ton temps à m'éviter? Je t'évite pas. Mon travail, j'ai pas envie de parler. Viens la petite ou pas? Oh, toujours, toujours ça. Ah ben c'est bon, je vais pas me reprocher. Stéphane, on va boire un coup en face, tu viens que? Pas ce soir, je suis fatigué. Comme tu veux. Bon, bah si tu changes d'avis, tu sais me retrouver. Hein. Voilà. Salut, pas. Je passais dans le coin, je suis devant ton boulot, je me disais qu'on pouvait rentrer ensemble à la maison. Bah, si t'as ce message vite, appelle-moi. I breaked the glass. I broke the glass. C'est les verbes irréguliers, ça s'apprend. Et vous, c'est pareil. To go, went, going. OK? Je peux voir une minute, Tristan? Bien sûr. D'accord, donc on en reparle. Au boulot. Je vous en prie. Merci. Bon. Vous me connaissez, Tristan? Je ne suis pas le genre de proviseur qui s'ingère dans les cours. Mais voilà, j'ai reçu des coups de fil de parents qui n'ont pas vraiment apprécié que vous parliez en classe de l'homosexualité. Mais j'ai pas parlé d'homosexualité, j'ai parlé d'homophobie. Mon travail, c'est quand même de permettre à mes élèves de surmonter leurs préjugés. Non, votre travail, c'est d'enseigner l'anglais. Point. Et bien dans ce cas, il faut inviter une association luttant contre l'homophobie à intervenir au lycée. Les élèves se posent plein de questions, Mais vous plaisantez ou quoi? Vous imaginez la levée de bouclier si ce genre d'association venait ici? Écoutez, Tristan, je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai moi-même beaucoup d'amis homos. Alors, en ce qui vous concerne, vous vivez à l'extérieur comme vous l'entendez, mais ici, vous redevenez un simple prof, c'est clair? Très bien, je vous remercie. Et pourquoi tu lui as pas dit que t'avais une femme? On croit que je suis homo, ça va.
pas publié un démenti non plus. J'étais avec les secondes 3. Il y avait encore un autre nom sur le tableau. Nathan en a pris plein la tête. Une bagarre a éclaté. Et c'était le prénom de qui cette fois? Marco. Marco. Ça m'étonnerait que ce soit lui. Ah bon? Mais ça veut dire quoi ça? Oh, tu te rends compte de ce que tu dis? Cool Tristan, c'est une impression, c'est tout, rien de plus. Ça me rend dingue qu'on puisse pas aider ce gosse. Ah bah, tout ça c'est de sa faute aussi, hein. Il avait qu'à rester discret. Hein. Bah quoi? Et toi Catherine, tu dis rien, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que pour corriger mes copies en paix, mieux vaut aller ailleurs. Catherine, attends-moi. Catherine, attends-moi. Je te connais par cœur. Je sais ce que tu vas me demander, c'est non. Je crois que ça serait bien si tu parlais à Nathan. Je m'en doutais. Donc, je te le répète, c'est non, c'est clair. Je suis convaincu que si tu lui parlais, ça l'aiderait. Qu'est-ce que tu peux être têtu? Je plains ta femme, hein. Tu saurais trouver les mots, t'es quand même bien placé pour savoir ce qu'est l'endure, non? Je suis sa prof de maths. Je suis donc uniquement bien placé pour lui parler équations et géométrie. Mes compétences s'arrêtent là. L'autre jour, tu m'as dit que pour rien au monde, tu revivrais ton adolescence. Tu te rappelles? Peut-être que les choses auraient été moins difficiles pour toi si un ou une prof homo t'avait dit que t'étais pas seul au monde. Mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, là, hein? Mais t'as peur de quoi? Qu'on apprenne au lycée que t'es lesbienne? Bon, et alors? Les choses ont changé, tu sais. Non, mais je rêve. Mais vous, les hétéros, vous croyez toujours qu'on est parano? Qu'on voit de l'homophobie partout? Mais tu crois quoi? Que parce qu'il y a une petite loi sur le mariage, tout va bien? Si tu savais ce que j'entends dans la cour, dans ma classe, ou même dans la salle des profs, tu étais avec moi, là, hein? Ce serait de la faute de Nathan, parce qu'il n'a pas été discret? Catherine. Non, toi, tu m'écoutes. Quand j'étais ado, l'école, c'était l'enfer. Manque de bol, l'école, j'y suis toujours. Enseigner les maths, c'est la seule chose que je sais faire. Ma famille m'adresse à peine la parole. J'étais très, très seule. Et si j'ai tenu, c'est grâce à ce boulot. Et à part à des amis proches comme toi, je parle à personne de ma vie privée. Parce que j'ai 140 élèves, le regard braqué sur moi, et 280 parents prêts à me demander les comptes. Parce que j'ai 50 piges et que je veux qu'on me foute la paix. Et Nathan? Nathan, il fera comme moi. Il va galérer, et puis il surmontera. Ouais, c'est encore moi. Ça me saoule de tomber tout le temps sur sa messagerie. On peut quand même se parler, non? Rappelle-moi, s'il te plaît. On s'est trompé d'étage. Laisse un peu. May I ask what earthquake caused your brain to work at last? There was two men were in here last night. I overheard them telephoning. A lot of stuff about the 39 steps. No, go on. Someone's going to warn them. How can you warn steps? Never mind, go on. Pourquoi tu dis pas qui est l'autre garçon? Je me souviens pas qui c'est, j'étais sous. Me prends pas pour un idiot, il te menace, c'est ça?
Personne ne sait qui l'homme. Il veut pas en parler, je veux pas le trahir. Ok, mais en attendant, c'est toi qui encaisses tout. Au lycée, c'est l'enfer. Je rentre, mon père me fait la gueule, j'ai une ordi, je me fais insulter. Mais je m'en fous. Tu sais pourquoi? Parce que je suis amoureux. Tu cherches quoi, là? Je t'ai dit la vérité, c'est tout. La vérité, c'est qu'à ton âge, on n'est pas amoureux. Ah ouais? Tu m'avais pas raconté que t'étais dingue d'une fille quand t'étais en seconde? C'est pas pareil. T'es pas comme cette histoire avec ce garçon-là, c'est pas sérieux. Je suis homo! Faudrait bien que tu t'y fasses, je suis le seul fils que t'as! C'est pas facile d'avoir un fils comme toi. Si tu crois que c'est facile d'avoir un connard homophobe comme père? J'en étais sûr. Non mais c'est pas crédible, j'ai passé la soirée dans les bras de mon mec. Bon, ça suffit maintenant. Et toi, la fille de ma mère, tu casses l'ambiance. Ça suffit, j'ai dit. Oh, encore un mot et c'est le devoir sur table. Ah non. C'est bon, madame, c'est bon. Vous avez tout mémorisé. L'idée à faire passer au gars, c'est d'être rapide. Comme ça, la PJ, elle peut travailler tranquille. On peut se mettre en place. Patricia, je peux te parler? Excuse-moi. T'es devenu parano. Il y a un ou deux collègues qui jasent et alors, il y a des cons partout. Franchement, tu crois quoi? Que je te regarde autrement à cause de Nathan? Non, je sais pas, c'est pas... Non, mais ça va. C'est pas la peine de me dire que si c'était ma fille qui avait embrassé une autre fille, je serais mal. Oui, c'est vrai. C'est bon, merci. À la mort de sa mère, c'est Nathan qui m'a dit t'inquiète pas, papa, on va s'en sortir. On est comme deux étrangers. C'est toujours ton fils. Pourquoi tu m'appelles tout le temps? Je vais juste te dire, c'est pas moi qui ai écrit ce truc au tableau. Je sais que c'est pas toi. C'est quelqu'un qui s'amuse à foutre la merde. C'était pas la peine de me faire venir pour me dire ça. C'est pas pour ça. J'avais trop besoin de te voir, Louis. J'en peux plus, je me sens seul. Le pire, c'est que t'es là en classe et que je peux même pas. Je suis pas comme toi, moi. Ce baiser, c'était juste pour essayer. Tu m'as ramené mon foulard? Je préfère le garder. Y'a pas que moi qui sais pour toi, tu sais. Celui qui a pris la photo aussi. Thank you.
aussi t'écrire un SMS. À ma mère, je la connais, elle veut savoir à quelle heure je rentre. On va danser? Non, vas-y toi, moi j'ai pas envie. Que tu veux? Viens, suis-moi. Moi aussi, j'ai peur, tu sais. Y a quelqu'un? On va se baigner? Non, vas-y, toi, si tu veux. Allez, viens, elle est bonne. Eh oh! C'est l'heure de l'entraînement, Louis. Ton jeu de jambes, c'est parfait. Allez, bam! Hop! J'ai fait mal? Ça va. Ça va? Et tu veux le gagner, ce tournoi, ou pas? Carrément. Faut travailler tes points faibles si tu veux le gagner. Allez! Oh! C'est bien, tu vois, c'est dans la tête, tout ça. Bien, c'est bon pour ce soir, c'est bien. Alors il m'a dit Corinne, est-ce que je pourrais avoir un bilan comptable pour lundi sans vous presser, bien sûr. Ouais. Ouais, il ne faut pas me presser, mais moi mon week-end est foutu. Oh. Mm. Et toi ta journée? Ouais, des lombalgies en veux-tu en voilà. Bien fait d'être matou. Théo, mange mon chéri. Allez, sois gentil. Ah, j'ai croisé la mère de Laura dans la rue. On a parlé de nos amoureux. Oh, ça va. Mais quoi, vous êtes amoureux, non? On n'est pas mariés, non? Mais... Oh, quoi, c'est bien parti, non? En même temps, je suis pas pressée d'être grand-mère, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, elle m'a parlé aussi d'un nouveau dans ton école, un jeune qui s'appelle Nathan. Elle m'a dit qu'il était homo. Homo? Mange tes tomates. Pour les parents, quand même, c'est... Ça doit pas être facile. Et tu le connais? Tu lui as déjà parlé? Non. Enfin, juste comme ça. Bonjour. Garde tes distances. Comme sur un ring. Hop. Ah, t'as pas vu arriver celle-là? T'as garde. T'inquiète. T'inquiète. J'en foutrais d'être inquiète, moi. Allez, fais des passes. Voilà, c'est bien. Bien. Et ça m'a l'air en défense. Les jaunes, vous attaquez. Placez-vous, fais des passes, Marco. Donne ta balle si t'es pris. Qu'est-ce qui t'arrive? Je touche pas en pédale. Tu me touches même pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, ça remonte. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu me touches pas, mec. Oh, stop là, on se calme. T'es un fou, mais t'es un fou. Qu'est-ce qui te prend là? Tu me touches même pas, il me touche même pas. Tu te calmes, tu me réponds pas, tu sors. Sors deux minutes, va te calmer là. Attends, ça va? Allez, c'est parti là. Et les gars, regarde. Ça, c'est de la cicatrice. C'est un chien, il m'a mordu quand j'étais petit. Non, mais arrête de montrer tes muscles ici, là, t'es en train d'exciter Nathan. Eh, mais t'as pas honte? Le vestiaire des meufs, c'est là-bas. Non, mais lui, il préfère rester ici pour mater. Vas-y, mate, te gêne pas. Allez, c'est qui le plus gros? C'est qui le
Nathan. Salut, c'est Nathan, laissez-moi un message. Nathan, le lycée vient de m'appeler, ils m'ont dit que t'étais pas en cours aujourd'hui. Je veux pas t'engueuler parce que t'as séché, je veux juste savoir où tu es. S'il te plaît, rappelle-moi. Sur la période où il déborde, un des auteurs serait armé. Je répète, un des auteurs serait armé. Prudence à tous. C'est la police. Est-ce que vous m'entendez ? Monsieur, s'il vous plaît. Tu me fais le point ? Un chef, ouais. Il y en a un qui est parti à la courette, lui, il a pris plusieurs coups de couteau. T'as l'identité ? Pas papier sur lui. Ok. TN100 de Tango 2, rue des Bordes, un blessé par arme blanche. Faites venir les SP, vous prévenez aussi l'OPJ. C'est reçu, merci. Il a fait courir ce con. Il a balancé ça. Tu rentres avec Marc et tu le présentes aussi à l'OPJ. Je vais rester avec Patricia. Ça marche. Nathan ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Montre-moi. Montre-moi, Nathan. Papa. Lui aussi. Calme-toi. Je suis là maintenant. C'est moi qui ai pris la photo. Pourquoi t'as fait ça ? Je voulais que tu réagisses. Mais je pensais pas que ça irait aussi loin. T'es amoureux de lui ? Mais non. Alors pourquoi tu l'as embrassé ? Mais je l'ai pas embrassé. C'est lui qui voulait. Depuis qu'il arrive au lycée... Il m'a dragué direct. L'autre jour, à la soirée, il arrêtait pas de se coller à moi. Et le seul moyen que je m'en débarrasse, c'était que je l'embrasse. Alors je l'ai fait. Mais je suis pas homo. Je n'ai rien à foutre de ce mec. C'est toi que j'aime. Reste. Ça me ferait plaisir. Comment va Nathan ? Il a absolument voulu aller en cours ce matin, mais dès qu'il y allait pas tout de suite, il ne retournera plus jamais. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je sais pas. Il veut pas que je m'en mêle. Si t'avais vu ce qu'ils lui ont mis.
Un père qui protège pas son fils, c'est pas un père. Bonjour. Pour moi ? Un an qu'on est ensemble, ça se fait, non ? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es drôlement calme aujourd'hui. Nathan, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il est tombé, madame. Nathan, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé. Dans la première heure, on va terminer de travailler sur Donc la première heure, on va terminer sur les probabilités. Non, je ne veux pas parler de probabilités. Je vais vous parler d'une fille. Cette fille, elle est tous les jours au lycée avec une peur terrible au ventre. Et elle faisait des tours et des détours pour ne pas croiser ceux qui se moquaient d'elle. Parce que... elle préférait les filles aux garçons. Et cette fille aurait peut-être eu moins honte d'elle-même si elle avait eu la chance de connaître quelqu'un comme Nathan. Quelqu'un d'aussi courageux que lui. Qui ose dire qu'il est différent. Il en faut du courage pour ne pas tricher avec soi-même, pour aborder le regard des autres. Ceux qui ont frappé Nathan, c'est quoi leur courage? Madame? Oui. La fille dont vous parlez, c'était vous? Comment tu ferais pour calculer la probabilité que ce soit moi? Je sais pas. Quand on lance une pièce de monnaie, on a une chance d'obtenir pile et une chance d'obtenir face. On dit que la probabilité d'obtenir pile ou face est un demi. Obtenir pile ou obtenir face, c'est une issue. Vous n'allez pas déjeuner? Quand j'avais votre âge, j'ai passé des heures à broyer du noir toute seule dans la classe. Parfois, j'ai l'impression de revivre cette sensation. Je vous souhaite de jamais connaître ça, Nathan. C'est vous qui avez raison. Elle vient de dire qu'elle était lesbienne.
Tout va bien, Catherine? Ça va. Oui. Ça va, merci. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Bah ça va maintenant, arrêtez avec ce téléphone. Allez, 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 dégagez, dégagez de là. Y'a rien. Qu'est-ce qui t'arrive d'habitude dans tout le monde? Dépêchez-vous. Les temps changent. C'est là, maintenant tout de suite devant tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? T'en penses quoi? Mais t'es complètement fou, arrête! Embrasse-moi, Louis. Vas-y. Arrête! Vas-y, embrasse-moi. Pourquoi tu mets ta main comme ça? Embrasse-moi. Mais arrête! Hein? Mais arrête, y'a des gens là. Vas-y. T'as peur? Laisse-moi! Dégage! Je te plains, Louis. Je te plains vraiment. Ouais, avec eux, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage. On croit quoi? J'ai ferré ma gueule? Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. Toi non plus, tu me fais pas peur. Je suis prêt à vous prendre un par un. La pédale, elle a pas peur. Qu'est-ce que vous avez? Vous dites plus rien? Je vous choque? C'est pas comme ça que vous m'appelez? Ah, c'est parce qu'il y a du monde. Vous avez peur d'être pris pour des connards, c'est ça, hein? C'est ça! C'est facile de tabasser quelqu'un à plusieurs dans un coin tranquille. Mais maintenant, devant tout le monde. Allez-y! Allez-y, venez! Venez! Vous êtes à Gervais. Nathan! Salut. T'étais là? Oui. Je suis prêt à vous prendre un par un. Je sais pas trop quoi dire. Monte. Salut, c'est Nathan. Laissez-moi un message. Voilà, Nathan, c'est Louis. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mes parents viennent déjeuner demain, c'est le seul moment du week-end où on est tous les deux. Et toi, tu bosses. Bah oui, mais j'ai un bilan comptable à rendre lundi, donc voilà. Ah non! Oh merde, ça y est, c'est planté encore. Je comprends pas, j'arrive pas à récupérer ce tableau, là, ça m'énerve. Prends l'ordi de Louis. Pff, t'es fou, toi, déjà, qui hurle dès qu'on rentre dans sa chambre? Il est pas là. Mais t'as son mot de passe? Non, Et c'est Box, ou Laura. C'est ce que c'est le mien? Non. Prénom de la femme de ma vie. Ah oui? Ah oui. Je parlais pas de toi. Hein. C'était juste par curiosité. Depuis que Nathan il est arrivé au bahut, on parle plus que de ça. Je suis allé sur des forums pour me renseigner. Mais c'est tout. Et les sites porno gays, c'est par curiosité aussi? Mais j'y suis allé qu'une fois. Tu mens, Louis. On a vérifié ton historique. Je comprends pas. Et Laura? Je te parle, Louis.
Je sais que ces associations ont l'agrément pour intervenir. Mais je vous rappelle qu'il appartient à moi seul de décider de les inviter ou non dans mon établissement. Or, comme je vous l'ai déjà dit, je m'y oppose fermement. Et n'allez pas croire que c'est par conviction personnelle. Vous savez aussi bien que moi que les parents n'hésiteront pas à faire barrage. Écoutez, si Nathan s'est fait tabasser, c'est aussi de notre faute parce qu'on est resté là sans rien faire. Pas question que ça se reproduise une fois, sous prétexte qu'il ne faut pas froisser certains parents. Nous envisageons de lancer une pétition. Sur 53 profs travaillant au lycée, 47 nous ont dit qu'ils étaient favorables à l'avenue d'une de ces associations et qu'ils étaient prêts à la signer. Sans doute qu'une large majorité de parents la signerait aussi. Ah ben c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas vous qui allez devoir répondre aux parents indignés. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, quand ils nous accuseront de prosélytisme? Dites-leur de regarder la définition de prosélytisme dans le dico. Ça leur évitera d'utiliser ce mot à tort et à travers. L'homosexualité, c'est pas une doctrine ou une philosophie. C'est pas un choix de vie. Mets tes gants. T'as pas envie d'avoir une famille? Je veux dire une famille normale. Tu veux être malheureux toute ta vie? C'est ça? Vivre dans la marge? Hein? Je me sens perdu, papa. Je me sens perdu, papa. Je me sens perdu. Tu sais pourquoi tu te sens perdu? Tu sais? Non? Parce que dans ta petite tête, tu sais que tu fais fausse route. C'est pas une fatalité. Te laisse pas envahir par ces merdes, là. Ça va te passer, ces conneries. J'ai essayé, papa. Je te promets que j'ai essayé. J'ai essayé? T'as essayé, toi? Oh, tu me regardes quand je te parle? Allez, mets tes gants, mets-toi en garde. Mets-toi en garde! Monte ta garde! Allez, boxe! Allez, boxe! Tu peux donner que ça? Allez, boxe! Oh! Allez, lève-toi! Relève-toi! Boxe! T'as essayé? Hein? T'as essayé? Face à moi! Face à moi! Donne des coups! Allez, c'est comme ça qu'on fait! Oh! Et ce putain de tournoi, tu veux le gagner ou pas? Oui, tu veux le gagner, alors? Relève-toi! Allez, relève-toi! Là, 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 là! T'as essayé? Bah, tu vas essayer encore! Plus de téléphone! Plus d'internet! T'es d'accord, non? Il faut qu'il reste ici, c'est à nous de régler ça. Enfin, il faudra bien qu'il retourne en cours. Je lui ferai un certificat, et il peut être malade quelques jours, non? Après tout, c'est pas vraiment un mensonge. Tu crois que c'est la solution? Mais tu voudrais qu'il reste comme il est? Non? Alors il faut que t'arrêtes de le protéger comme ça. On n'a pas le droit de le laisser gâcher sa vie. C'est à nous de lui montrer qu'il se trompe. Il lui faut du temps pour qu'il en prenne conscience, c'est tout, un peu de temps. Excuse-moi. Dis. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Attends, j'y vais. Bonjour monsieur. Bonjour Laura. Je viens voir Louis parce que il répond pas à mes messages et du coup je me suis inquiétée. C'est normal, il est au lit avec une grosse fièvre. Il a une angine carabinée. Et est-ce que je peux le voir? Bah, tu veux tomber malade toi aussi? T'inquiète, ton chéri sera bientôt sur pied. Je lui dis que t'es passé. Ok, merci monsieur. Au revoir. J'arrive. Tadam. Tu croyais que j'avais oublié? Voilà. 16 ans. Ça se fête, non? C'est quoi?
cool. Exceptionnellement. Souffle, on va manger de la bougie. Souffle. Si y a quelqu'un, enfin... Si tu veux inviter des potes ce week-end, je te laisse l'appart. Non, ça. C'est Louis. Il va falloir que tu t'expliques avec lui un jour. J'en ai plus rien à foutre de ce mec. Nathan. Salut Nathan. Moi c'est Serge. Moi c'est Marc. Enchanté. Enchanté. Bon, bah allez, écoute, vas-y. Installe-toi, bienvenue à la maison. Bah si, c'est un peu chez nous ici, hein, tu sais. Bon alors tu fais quoi? Tu fais des études? T'en es où là? Je suis en seconde. En seconde? Eh ben petit conseil, n'arrête pas les études. Sinon tu risquerais de finir comme nous. Ça va, c'est pas mal quand même. Et toi aussi, t'as eu ta période gothique quand t'étais ado avec tes parents? Bah moi, c'est pareil. C'était juste pour vous provoquer. C'est pas vrai, tout ça. Je suis pas moi. C'est nul, je sais. Je sais que je vous ai fait du mal. Et Laura? C'est parce que je l'aime que j'ai compris tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste de la provocation, tout ça. C'est pas vrai. Je te prie de m'excuser. Et laisse-le appeler Laura. Tu t'es servi de ton téléphone? Non. Non? T'es sûr? Je voulais juste appeler Laura. Attends. Nathan, Nathan, et bien sûr pas de Laura, tu peux reprendre ton téléphone, ton ordinateur, tu peux sortir, voir qui tu veux. Mais c'est plus la peine de nous adresser la parole. Tu nous mens? Oh! Tu nous traites comme si on était tes ennemis? À partir de maintenant, nous on t'ignore! Mange Théo. J'aime pas. Allez, mange. Où tu vas? Chercher la salade. Je vais pas manger tout le temps tout seul. J'ai rien fait de mal. J'étais obligé de mentir. Il est complètement dingue. Maman, parle-moi, s'il te plaît. Je vais changer. Je te jure que je vais changer. Mais parle-moi, s'il te plaît. Avoir de l'eau. Tu m'as fait peur. Tu m'espionnais. J'avais peur que tu croques. Je sais pas si je vais y arriver, c'est trop dur. Tu crois que c'est facile pour moi? Il faut qu'on tienne bon. C'est juste une question de temps.
Ça va, petit frère? Oui. Théo? Tu sors de là, Théo. Je vais faire un câlin. Sors. Tu t'éloignes de ton frère. Théo? Je vais te lire une jolie histoire. Putain, mais lâche-moi là, tu crois quoi? T'existes plus pour moi! Chez moi. Oui, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents sont devenus dingues. Ils me détestent. C'est à cause de la photo? Réponds-moi, Louis, c'est à cause de la photo? Mais quoi, t'es vraiment homo, c'est ça? C'est de ma faute? C'est parce que tu me trouves moche? Peut-être que j'embrasse mal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin d'argent, le roi. Faut que tu me prêtes de l'argent. J'en sais rien. Bon, Nathan, il faut que tu m'aides, là. Concentre-toi. T'as entendu quelque chose? Il t'a dit quelque chose? Je crois que j'ai entendu un train. Un train? T'es sûr ou tu crois? T'es sûr ou tu crois? Je suis sûr. Bon, ok, on va au pont des Minimes. Il y a aussi l'usine désaffectée, c'est là où on se retrouve tout le temps. Finalement, blond, 16 ans, taille moyenne. Ok, je te tiens au courant. Vas-y, fonce, je t'expliquerai. Qui tiennent à toi, Louis? Ton petit frère? Tes parents? C'est faux! J'existe pas pour mes parents! C'est comme si j'étais de la merde! Ils me détestent!
C'est pas vrai. Regarde-moi. Louis. Regarde-moi. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Ouais. La peur de ma vie, mec. Ok. Bon, Serge, à demain, merci. Je te ramène chez toi. Je peux pas retourner chez mes parents. Faut que tu rentres chez toi, Louis. Peut-être l'accueillir chez nous cette nuit. C'est pas attendre demain, non? Que ce soit, de parler aussi. Je suis juste à côté, ok? Ok, merci. Ça va aller. Je vous assure. Ouais, essaye de dormir. J'avais 8 ans. Mes grands-parents venaient souvent manger à la maison. À chaque fois, ils me regardaient bizarrement. J'ai compris que je serais jamais comme les autres garçons. Mais je voulais plus que mes parents soient gênés à cause de moi. Je me suis mis la pression. Je me suis mis en mode parano. Puis le jour où je sortais avec Laura, bah, mes parents étaient rassurés. Puis t'es arrivé. Je vous présente un nouvel élève, il s'appelle Nathan, et je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. C'était la première fois que je ressentais quelque chose comme ça. Alors on continue le cours sur l'auteur de I Have a Dream. J'avais super honte. Je savais plus où me foutre. Je pensais que tu l'aurais jeté. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton adhère.
Quand je les ai vus dans les bras l'un de l'autre amoureux, ça m'a fait bizarre. Je me suis senti tout bête. Je commence seulement à me faire à l'idée. Il pourrait m'épargner un peu quand même, Nathan. Je sais pas, il allait par étapes, quoi. Doucement. Bon. Il est tard, je vais y aller. J'espère que j'ai pas réveillé Chloé. Non, elle n'est pas là. Elle est chez son père. Reste. Bonjour. Bonjour. Tu vas? Ouais. À tout à l'heure. Bonjour. Ça a dû te faire bizarre de ne pas avoir Louis dans son lit. Ne te fatigue pas. Et est-ce que... Non, je savais que j'allais aborder un jour ce sujet avec toi. J'avais même préparé un petit speech pour l'occasion. Mais honnêtement, je pensais que ça serait avec une fille. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Moi, je crois que je t'aurais parlé de ma première fois. C'était au lycée. Nous aussi, on avait peur. On a pris notre temps. Du coup, la première fois, c'était magique parce qu'on était amoureux. Ça marche pour moi aussi comme speech. Ouais, je crois. Bonjour. Bonjour. Tiens, serre-toi, il y a tout ce qu'il faut, Louis. Merci, monsieur. Rappelle-moi Stéphane. Stéphane? Ouais. Vous allez appeler mes parents quand? C'est fait. J'ai eu ta mère, on s'est parlé. Tiens. Ça doit être elle, d'ailleurs. Elle vient me chercher. Oui? T'es une minute. Je préfère pas, non. Que mon fils descende tout de suite. Où est Louis? On peut se parler un moment? J'en vois pas l'utilité. Où est mon fils? Votre femme vous a raconté ce qu'il a failli faire cette nuit? Écoutez, je sais ce que vous avez fait. Je vous en suis très reconnaissant, mais maintenant, ça vous regarde plus, d'accord? Louis m'a dit ce qui se passe chez vous. Et alors? Vous voulez m'apprendre comment élever mon fils? Je sais ce que vous ressentez. Moi aussi, j'étais très en colère. Si Louis arrive pas dans une minute, ça va très mal se passer pour vous. Louis. Je veux pas que ton père ait des problèmes. Tu vas quand même pas retourner là-bas. Ça va aller. Je me sens fort maintenant. Merci pour tout, Stéphane. Je l'ai enfermé dans sa chambre. Non, mais t'es conscient de ce qu'il a essayé de faire cette nuit? C'est parce que j'en suis conscient que je l'ai enfermé. C'est juste pour l'empêcher de refaire une connerie. Donne-moi la clé, je veux le voir. C'est pas le moment, Corinne. Ça ferait qu'embrouiller les choses. Non, mais ça va pas, là. Donne-moi la clé! J'ai quelques consultations au cabinet. Dans 2 heures, je suis de retour. On ira lui parler tous les deux, d'accord? Corinne, tu me fais confiance? Tu me fais confiance, oui ou non?
Allô? Non, je suis en RTT, mais je vous écoute. Bah... Oui, appelez-le de ma part. Oui, attendez. J'ai son numéro dans mon agenda. Ne quittez pas. Je peux vous rappeler? Mon mari est là? Non, il est en consultation en ce moment. D'accord. Au revoir, madame. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. Ça peut pas attendre. Non, ça peut pas attendre. Bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as laissé Louis tout seul? Je refuse que tu continues à le maltraiter. Maltraiter? Qu'est-ce que tu dis? J'aime mon fils autant que toi, je veux seulement le protéger. C'est bien parce qu'il est homo qu'il a voulu se tuer, non? Mais non, c'est parce qu'on l'a rejeté. Parce qu'on lui a fait croire qu'il était anormal, que c'était un pestiféré. Je m'en veux tellement. Et si Nathan et son père n'avaient pas été là... Non mais attends... C'est ce flic qui t'a bourré le crâne? C'est à nous de changer, c'est pas à lui, tu comprends ça? Je sais plus qui tu es. Corinne. Je te quitte. Je pars avec les enfants, je vais m'installer chez mes parents. Et que les choses soient bien claires. Tu fais quoi que ce soit pour m'en empêcher, je porte plainte pour maltraitance. Pense à tes patients, à ta réputation. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va, on y va. Il est comment ton nouveau lycée? Je sais pas encore, je commence que demain. J'ai lu ton mail. C'est carrément un roman que tu m'as écrit. Je sais, mais j'étais obligée, tu répondais pas au message. Tu m'as fait du mal, tu sais. Je sais. Tu sais que je vais revenir pour le tournoi de boxe. Super. Tu seras là? Je sais pas. Alors c'est vrai, tu me trouves belle? Très belle. C'est dommage que je sois pas bisexuel. Mais t'es con. Il faut que je raccroche, mais on se rappelle, d'accord? Mais attends, je voulais te dire quelque chose. J'ai eu Corinne au téléphone tout à l'heure. Alors? Elle a trouvé un appartement, ils viennent ce week-end. Ouais, je sais. Attends, attends, stop. Une seconde, une seconde. C'est relou d'avoir un père aussi diminué physiquement. Diminué? Ouais. Dernier arrivé à la voiture! Tu penses à quoi? Je sais pas si j'ai bien fait de venir. Tu m'en veux?
pas la meilleure question à poser. Tu sais, c'était pas contre toi. Je veux dire, c'était pas pour se faire du mal. Je sais pas trop quoi dire. Je t'en veux pas. Ça fait drôle, non? Tu l'aimes? Il était pas fait pour moi. Jamais à m'y faire. Moi, je m'y fais très bien. Je les trouve très beaux. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, votre fils? Il va arriver. On est prêts, nous. Bon, on fait quoi? C'est bon. Il est pas avec toi, lui? Je sais pas ce qu'il a, il veut plus boxer. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? J'ai plus envie de boxer. Je pensais pouvoir le battre. Mais non. Louis, c'est quoi la vraie raison? C'est pas vous qui devriez être là. Tu boxes pour qui? Pour ton père ou pour toi? Si tu veux pas y aller, personne t'en voudra. Tu rentres chez toi, c'est fini. Mais pas de regrets. Ok? Alors tu réfléchis vite parce qu'ils sont tendus là-bas. Vous pouvez m'aider à les mettre? Ok. Oublie tout ça maintenant. Tu respires, tu penses à ton combat. Voilà. Ok? Allez, viens. Alors, tout interdit, pas de coup de tête. Bon combat, messieurs. Allez, Louis!
Louis Rigaud qui se lèvera à la deuxième reprise par arrêt d'arbitre. Ma garde. J'ai vachement progressé, non? C'est grâce à toi. Tu viens fêter ça avec nous? Reste, papa. Pas fier de moi. T'es pas fier de moi ? Il va lui falloir encore un peu.